Welcome to our next talk, Social Cooling. You know, people say, I have no problem with surveillance, I have nothing to hide. But then, you know, maybe the neighbors and maybe this and maybe that. So, tonight... Vous savez, les gens disent, ouais, j'ai pas de problème avec la surveillance, j'ai rien à cacher, mais bon, peut-être que... les voisins, etc. On ne sait jamais. Donc, ce soir, on a le plaisir d'avoir notre speaker qui va nous parler de comment la surveillance digitale change notre manière d'interagir entre nous. Hi everyone. Bonsoir à tous. Really cool that you're all here and really happy to talk. Je trouve ça vraiment cool que vous soyez tous là. Je suis vraiment honoré de pouvoir présenter ici. Mon nom c'est Times Rep. Je suis critique technologique. Ça veut dire que c'est mon boulot de ne pas croire ce qu'on nous dit. Et c'est plutôt fun. Le problème c'est toujours d'avoir comment avoir une audience. Plus importante pour couvrir les problèmes qui sont liés à la technologie. Donc l'audience vient quand la demande vient. Pour moi, les mots symbolisent comment je hack ce monde. Donc ce soir, je vais vous parler d'un de ces mots que je pense qui va nous aider. Donc, pouvoir encadrer le problème, c'est déjà la moitié de la bataille. Donc, pouvoir encadrer, expliquer d'où vient le problème, je pense que c'est déjà la moitié de la bataille gagnée. Donc, ce cadre, c'est le cooling, le refroidissement social. Mais avant ça, j'aimerais poser une question. Qui, ici, reconnaît ça? Vous êtes sur Facebook ou des médias sociaux, Pinterest, et vous cliquez sur un lien. Ce que vous dites, je pourrais cliquer ici, mais voilà, j'hésite à cliquer parce que quelqu'un pourrait reconnaître ce lien. Petit problème audio, désolé. Tout le monde peut m'entendre. Ok, is that yeah. Should I start again? Je reprends. Ok. So you're on Facebook. Donc, vous êtes sur Facebook et vous trouvez un lien qui vous semble intéressant, mais vous hésitez. Parce que peut-être que quelqu'un va s'en souvenir et ça pourrait revenir sur vous. Est-ce que qui de vous connaît ce sentiment? Presque tous ici. Donc, c'est le sentiment que j'ai quand je présente ça. Donc c'est la peur, je définis ça comme la peur du clic. Vous n'êtes pas les seuls. On voit que c'est un problème plus étendu que les gens hésitent à cliquer sur des liens. Après les révélations de Snowden, les gens ont plus peur de rechercher des informations sur le terrorisme parce qu'ils pensent que éventuellement la NSA peut retrouver des informations là-dessus. Par exemple, voilà un schéma qui donc, c'est pas très étrange parce qu'on comprend toujours que si vous pensez être observé, vous allez changer votre comportement. C'est quelque chose de tout à fait logique que tout le monde comprend. Et la technologie augmente cet effet et augmente la pression sociale générée par cet effet. Le social cooling, le refroidissement social, c'est quand la technologie augmente la perception de cette pression liée à la peur du clic. En fait, l'ensemble des données collectées sur vous à tout moment permet de générer des notes, des scores sur vous. Et c'est un changement qu'il faut comprendre. La donnée who for a long time has said data is new gold, but they've
On nous dit souvent que la donnée est le nouvel or, ou que la donnée est le nouveau pétrole. Et quand on sait que le pétrole, en fait, a intensifié le réchauffement climatique, j'ai décidé de comparer, en fait, les effets du pétrole et le réchauffement climatique avec les datas et le refroidissement social. Nous allons d'abord parler de l'économie de la réputation et des changements comportementaux liés. Et ensuite, afin de ne pas terminer dépressif, nous allons voir comment gérer tout ça. D'abord, parlons de l'économie de la réputation. La Chine a créé ce nouveau système de crédit social qui leur permet de donner une note à chaque individu. Et selon cette note, ils peuvent obtenir un boulot, un prêt, éventuellement un rendez-vous. Et selon votre scoring, vous pouvez être mis en relation avec certaines personnes ou pas. Parce qu'en fait, selon votre scoring, vous allez être estimé et c'est ce qui déterminera votre capacité à être mis en relation avec d'autres individus. Ce système de réputation permet de dire globalement si vous êtes une bonne personne ou une mauvaise personne. Et votre score influence aussi le score de vos amis, des personnes autour de vous. Ce qui amène à une stratification de la société. Mais vous vous dites certainement, ça n'arrive qu'en Chine. En fait, la même chose est en train de se produire en Occident. Une société qui s'appelle Deemly a posté la vidéo suivante. Renting apartments from others, and she loves to swap trendy clothes and dresses. She's looking to catch her first Lyft from a rideshare app, but has no previous reviews to help support her. Aww. Luckily, she's just joined Deemly, where her positive feedback from the other sites appears as a Deem score, helping her to win a rideshare in no time. Deemly is free to join and support users across many platforms, helping you to share and benefit from the great reputation you've earned. Deemly est un système qui permet d'obtenir une réputation sur le net à propos de nombreux sujets, qu'il s'agisse de votre CV, de vos ressources financières, de votre santé. Deemly peut intégrer en fait toutes ces informations et vous donner un système de scoring global qui peut être mis à disposition d'autres entités. Et ceci peut être complètement invisible à notre œil. Maintenant, quand on parle de ça, on a certains sites que nous utilisons déjà actuellement nous donnent déjà des notes comme Airbnb. Mais il y a également d'autres systèmes, beaucoup moins connus, beaucoup plus connus, qui donnent au contraire des notes beaucoup moins évidentes, comme Facebook, comme Palantir. Et plus vous fournissez de données à l'ensemble du système, plus vous générez des notes. Aux États-Unis, vous pouvez être noté sur 8000 scores. Ça peut être votre intelligence, votre caractère psychologique, vos préférences religieuses, votre espérance de vie. Tout ceci fonctionne grâce au machine learning et ses algorithmes qui déterminent certains schémas au sein de la société. Par exemple, vous êtes diabétique. And this is an example of how that works with just your Facebook scores.
Voici exactement comment Facebook, en fait, vous note. 60% when it came to predicting whether a user's parents were still together when they were 21. People whose parents divorced before they were 21 tended to like statements about relationships. Drug users were ID'd with about 65%. En faisant des relations entre des comportements connus, Facebook parvient à déterminer quelles sont vos chances d'appartenir à un autre comportement. 88% right there. For women, it was about 75%. Gender, by the way, race, religion, and political views were predicted with high accuracy as well. For instance, white versus black, 95%. So the important thing to understand here is la partie importante à comprendre, c'est pas tant aujourd'hui à propos de vos data, on parle de protection des données, de contrôle des données. Non, ce sont les données qui sont obtenues à partir de nos données qui sont importantes. Même si vous n'avez jamais passé de test psychologique, vous n'avez pas l'impression de l'avoir fait, en fait, vous en avez passé sans le savoir. Cambridge Analytica, what they call psychographics, and I'll let them explain it themselves. By having hundreds and hundreds of thousands of Americans undertake this survey, we were able to form en ayant des centaines de milliers d'Américains qui ont suivi certains sondages, qui ont répondu à certains sondages, Cambridge Analytica peut déterminer la manière de penser de certains groupes, comme les consciencieux, qui sont rationnels et qui sont plutôt justes. Et nous pouvons les voir où ils sont sur ce graphe. This is the company that worked with both for the Brexit campaign and. Ça c'est la société qui a travaillé sur le Brexit et aussi sur la campagne de Trump. All the data was leaked. Bon, sur la campagne de Trump, la moitié des données ont fuité. Donc on a appris beaucoup de choses. Par exemple, on voit qu'ils se sont beaucoup intéressés à la couleur de peau et à la religion. Vous pouvez penser que quand vous allez sur Facebook, les publicitaires payent pour vous. En fait, ce qui se passe, la plupart de l'argent qui est fait, il est fait sur le risk management. En fait, c'est plutôt votre banque et votre assurance qui paye pour vous. C'est ce genre d'organisation qui sont intéressés par acheter des profils comme celui-là. Of course, the promise of big data is that you can then manage risk. Bien sûr, la promesse du Big Data, c'est qu'on va pouvoir mieux gérer les risques grâce à ces données. Donc, ce qui est vraiment novateur dans l'économie de la Big Data, c'est la démocratisation des background checks, des vérifications sur les personnes. Maintenant, avant, seulement votre banque connaissait vos scores de crédit. Maintenant, n'importe quel marchand va pouvoir bientôt connaître votre score. Non seulement c'est un phénomène invisible, mais c'est aussi un phénomène extrêmement important, puisqu'il y a 150 milliards de dollars de l'économie américaine qui est dédié à ce commerce en 2015. Et pourtant, pas grand monde n'en parle. Et ça va probablement changer. En effet, on va maintenant parler des changements de comportement. On voit déjà qu'il y a une influence extérieure qui est faite par tous ces systèmes de notation. On l'a vu dans le cas de la Chine, on l'a vu dans le cas de Facebook et de Cambridge Analytica, qui ont essayé d'influencer les élections, par exemple. Évidemment, il y a un débat sur de quelle manière et jusqu'à quel point ils influencent les élections, mais à mon avis, ce n'est pas le point le plus intéressant. Ce qui m'intéresse le plus, c'est comment nous, ça nous affecte, comment ça crée des nouvelles formes d'auto-censure, puisqu'on, proactivement, on anticipe qu'on va être noté.
This will go beyond click fear, you might remember. This will go beyond. C'est le phénomène de peur du clic dont je vous parlais tout à l'heure. Not getting a job, for example. Mais bientôt, quand on pourra se voir refuser un boulot ou avoir une assurance plus chère à cause des liens qu'on aura suivis, comme ce qui se passe par exemple aux États-Unis, où l'agence des impôts utilise les données personnelles pour savoir qui elle ferait bien de contrôler fiscalement. Et quand je parle de ça aux gens qui se rendent compte que les données pourraient être servies contre eux, ça leur parle. Il y a eu un débat récemment, puisqu'il y avait un algorithme qui était censé pouvoir prédire si vous étiez gay ou hétéro. Donc il y a un effet refroidissant, un effet glaçant que de plus en plus de monde est en train de ressentir. Ça nous ramène à la partie social cooling. Donc c'est vraiment le refroidissement social, c'est la combinaison de ces deux éléments, donc la pression sociale et d'un autre côté, voilà. L'engagement proactif des personnes. Donc on a trois effets à long terme. Le premier, c'est comment l'effet sur les individus. Le deuxième, c'est les effets sur la société. Et le troisième, les effets sur le marché. Donc on va voir ces trois éléments. L'individuel, donc c'est l'autocensure culturelle. Donc on a un article du New York Times. Qui dit qu'on est très réservé, on n'a pas besoin de se défendre plus tard, donc ne le faites pas. Faire des choses folles, laisser couler, s'amuser. Donc on a pas mal de liberté de regarder des choses, de dire des choses. Et c'est très insidieux. Ça a un effet plus global sur la société. Et ici, on voit vraiment la valeur de la société. Souvent, dans la société, les valeurs minoritaires deviennent des valeurs majoritaires. Un exemple, c'est l'herbe. Moi, je suis hollandais. D'abord, c'est une chose qu'on fait pas trop, c'est un peu mou, on se dit il faut essayer quand même, et donc les gens essayent, et petit à petit, dans la société, les gens changent leur avis sur la question. Donc, comment le même schéma peut amener à des choses plus importantes comme ça? Voilà un extrait de Martin Luther King. Voilà, c'est le même genre de schéma qui influe des changements importants dans la société. C'est important que les gens puissent contrôler ça. Le troisième aspect, c'est l'influence sur le marché. Et un exemple, c'est en 1995, les docteurs à New York avaient des notes, étaient notés. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens qui essayaient d'aider dans des opérations complexes, de cancer, etc., avaient des moins bons scores, puisque ces gens-là mouraient plus rapidement. Et les gens qui n'essayaient pas d'aider avaient des scores plus élevés, puisque les gens ne mouraient pas. Donc on voit ici que on va pas récompenser les gens qui sont prêts à prendre des risques. Et c'est embêtant, surtout pour des entrepreneurs, des docteurs. Donc on a une aversion du risque qui est un peu opposée. Et la manière dont les sociétés, les gouvernements veulent... Donc, on se dit, peut-être que c'est un effet de bord. Donc, comment on gère la situation? Déjà, on gère ça ensemble. Ça ne peut pas être géré par une seule personne, un seul acteur. Non. C'est un problème de société. Tous ces groupes, le public, les politiciens, tout ce qui est business. Alors, pour le public,
talk about and maybe extend the metaphor of the cloud and say we have to learn to see the stars behind the cloud. Regardez les étoiles au-delà du cloud. J'aimerais utiliser l'humour pour expliquer cela. L'an dernier, je participais à un événement et il y avait un moyen de tester son statut qui pouvait vous donner un bon ou un moins bon café. I won't go into it, but these kind of, like oftentimes you can use humor to explain things to a wider audience. I really like that approach. We've got a long way to go, though. I mean, if we look at the long, nous avons un grand chemin à faire. To really, you know, come to a stage where most people understand what it is and care about it and accept Donald Trump. Well, with data, we really got a long way to go. We're really at the beginning. Avec les données, nous avons un très grand chemin à faire, tout comme avec le pétrole. Okay, so the second group that has to really wake up is politicians. À propos des politiciens. They have to understand that this is really about the balance of power. Le problème vient de la balance du pouvoir. If you'll permit me, I'll go into the big picture a little bit. Si on regarde les choses globalement, so this is called Gilles Deleuze. He's a French philosopher. Voici Gilles Deleuze, un philosophe français, qui a expliqué qu'il y a deux types de contrôle dans une société. Les institutionnels. Judicial system, so you're free to do what you want, but then you cross a line, you cross a law, then the police catch you, you go in front of a judge, you go to prison. Les institutionnels en fait gèrent tout ce qui relève de la liberté, du crime, de la police, du juge et de la prison. Et il y a en face des institutions les aspects sociaux. So this is a system where you perform suboptimal behavior avec un fonctionnement moins optimal. Il y a une grande différence entre ces deux systèmes. Le système institutionnel, qui détermine que vous êtes libre jusqu'à ce que vous rencontriez une limite. Le système institutionnel relève surtout de la punition. Mais parfois, certaines personnes ne s'en soucient pas. Le système social. We are social animals and we really care to belong to a group. The other difference is that le système social est très différent. Il relève en fait de la peur de l'exclusion. Et il est beaucoup plus invisible que le système institutionnel. Il est donc beaucoup plus difficile à comprendre. Les Chinois, eux, ont beaucoup travaillé sur le sujet. La majorité des gens disent « je n'ai rien à cacher » depuis l'ancien système, bien sûr. Le problème, c'est que les gens ne voient pas en fait l'autre partie du système. They're not democratically checked, and that's really a problem. So the third thing that I think l'usage des données peut être antidémocratique. Concernant le business, it could be an opportunity. I think I'm still looking for the metaphor here, but perhaps if we, you know, again compare this issue to global warming, we say that we need something like en comparant le problème au réchauffement climatique, on pourrait dire qu'il s'agit de data contre, il s'agirait de données contre de la nourriture. So we might get things like this. And I'm actually working on this. It's funny. Or if things go really out of hand, we might get here. On pourrait aussi avoir ce genre d'avertissement. La donnée peut endommager vos perspectives d'emploi. Heureusement, en Europe, la politique s'est un peu réveillée sur le sujet. C'est pas impossible que bientôt les gens se disent « moi, je préfère acheter des produits connectés européens ». Et finalement, le dernier groupe qui doit prendre cette question en main, c'est nous tous. Ce n'est pas tellement les nouvelles technologies, mais c'est une nouvelle manière de penser. Déjà, il faut arrêter de dire qu'on n'a rien à cacher. S'il y a bien quelque chose que j'ai appris en cherchant
depuis toutes ces années sur la question, c'est que le droit à la vie privée, c'est le droit d'être imparfait. On est sous la pression d'être le citoyen parfait, mais finalement, avec la vie privée, on peut se libérer en partie de ça. En tant qu'être humain, on est imparfait, donc on devrait tous avoir ce droit d'être imparfait. Des fois, les gens nous disent « Ah, la vie privée, c'est juste une mode qui était venue et qui va repartir. » Mais bon, personne ne dit « Les droits des femmes, c'était juste une mode et elles vont repartir. » Et Edward Snowden a très bien expliqué ça. Il a dit « Défendre le point selon lequel vous fichez du droit à la vie privée parce que vous n'avez rien à cacher, c'est la même chose en fait que de dire que vous vous en foutez du droit à la liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire. » Donc il faut avoir une approche quand même plus nuancée de la vie privée. Et arrêtez par exemple de penser que toutes les données sont un progrès. Les données, en fait, c'est un échange qui peut aller dans bon ou mauvais sens. Plus de données, ça peut vouloir dire moins d'autonomie. Par exemple, à l'échelle d'un pays. Ou pour un business, plus de données, ça peut vouloir dire moins de créativité, où on se sent moins libre de partager de nouvelles idées. Finalement, en conclusion, le refroidissement social, c'est une des manières de penser toutes ces questions, qui peut nous aider à mieux comprendre et à mieux prendre en main ces questions. Je pense que le sujet est assez alarmant, mais il y a quand même un espoir. Je ne passe pas mon espoir dans la technologie, mais dans nous, dans... De la même façon qu'on a compris le problème du réchauffement climatique, on va s'emparer, certes lentement, de la question des données et du refroidissement social. Finalement, c'est pas pour être d'un optimisme naïf, c'est un optimisme plus profond que je vous propose. C'est pas l'optimisme TEDx. C'est un optimisme qui se rend compte que la technologie, ça vient avec des problèmes. Mais au moins, une fois qu'on a compris ces problèmes, on peut apporter de bonnes solutions. Si on n'a pas ce changement de manière de penser, on est peut-être en train de créer un monde où les gens se conduiront mieux, mais ceci d'une manière moins humaine. Merci. Well, thank you, Timon. Merci. That scares the shit out of me. We still have 5 more minutes. On a encore 5 minutes. On va prendre quelques questions si vous en avez envie. First microphone number 2. Hello. Thanks. That was a really interesting talk. Bonjour, merci pour la super présentation. I hope world will work. It's a bit complicated. J'ai une question un peu compliquée. J'espère que je vais me faire comprendre. Il y a un projet qui s'appelle Indy par la c'est pas une fondation. Pour vous expliquer brièvement, ces gens veulent créer une couche qui serait dédiée à un layer qui serait dédié à l'identité, qui permettrait d'avoir une identité unique sur Internet, mais de partager que ce qu'on veut. C'est bien pour l'individu parce qu'on peut partager ces données. Mais en même temps, ça permet plus de contrôle. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, donc la première chose que je pense, c'est, comme j'essayais de l'expliquer, ce qui est important, c'est de contrôler les données. Mais le problème, ce n'est pas vraiment les données, c'est les dérivés qui viennent de vos données. Évidemment, si on contrôle les données, on peut contrôler les dérivés des données. Mais c'est vraiment, pour moi, un exemple sur ce qui est bien au niveau de la technologie. Voilà, on a un problème sociologique, donc on va créer une solution au problème en créant une nouvelle technologie pour le fixer. Mais je pense que ce n'est pas une solution
qui peut être résolu comme ça par un groupe unique. C'est vraiment un problème qu'on doit tous résoudre ensemble. C'est quelque chose qui est vraiment dans les gens, dans tout le monde, partout. C'est pas quelque chose qu'un groupe peut fixer, c'est quelque chose qu'on va tous pouvoir résoudre ensemble. On a une question d'Internet. Barking Sheep demande, est-ce que vous pensez qu'il y a une relation entre l'autocensure et l'isolation et la radicalisation au niveau des idéologies? Je pense que c'est une question très intéressante. J'ai envoyé un email à Vin Cerf il n'y a pas longtemps sur le sujet et il m'a répondu, ce qu'il faut vraiment regarder, c'est pas que l'économie de la réputation, mais aussi l'économie de l'attention et comment les deux sont liés. Pendant un moment, j'ai cherché ce lien. Il y aurait beaucoup de choses à dire. C'est sûr qu'il y a un lien. Ce qu'il faut vraiment comprendre, la nuance qu'il faut percevoir, c'est que tout le monde ne va pas se mettre à se comporter exactement de la même façon. Mais finalement, on va tous devenir des acteurs, comme dans une pièce de théâtre. La plupart des gens vont avoir une approche assez conservative, ils vont être assez prudents. Et d'autres vont en profiter pour s'éclater, et sûrement ça va leur bénéficier, ce nouveau système. Ils peuvent avoir beaucoup d'attention. Je pourrais continuer, mais c'est un peu difficile. On n'a pas beaucoup de temps, on va prendre une seule et dernière question. Donc, l'audience à laquelle vous parlez ici, je pense, est très au courant. Mais je voulais demander si vous aviez des tactiques ou des conseils pour parler aux gens et quelle est votre approche justement des gens, pour les gens qui disent voilà, je m'en fiche, j'ai rien à cacher. Je suis content d'être ici parce que bon, je suis un geek, mais je suis aussi un philosophe. Ça veut dire que pour moi, les mots et les idées, ça peut être vraiment puissant. Et présenter un débat d'une certaine manière, en parler d'une certaine manière avec les gens, c'est vraiment important. Je n'ai pas encore trouvé la meilleure façon de dire toutes ces choses. But I have to give a whole talk before that. Right? Privacy is a right to be imperfect, but in order to understand that, you have to understand. J'explique que la vie privée, c'est le droit d'être imparfait. Mais avant d'expliquer tout ça, je dois expliquer toutes ces notions d'économie de l'attention dont je vous ai parlé. Après, les gens, ils vont se retrouver confrontés à ces problèmes quand on leur empêchera d'accéder à un emploi à cause de certaines choses qu'ils ont fait sur Internet. Et moi, mon but, c'est de leur faire comprendre les enjeux avant qu'ils rencontrent ces problèmes. Je pense qu'on peut les voir venir d'assez loin, ces problèmes. Et je pense que la philosophie nous permet de penser tous ces problèmes. Deleuze, comme je l'ai souligné tout à l'heure, permet de penser ces problèmes. Et pourtant, il nous parle depuis 1985. J'ai pas une façon rapide d'expliquer pourquoi la vie privée est importante, mais je pense que ça va être de plus en plus facile et de plus en plus rapide avec le temps. I think we all should go out and spread the message. Merci à tous pour vos questions. Je pense qu'on devrait maintenant aller parler de tout ça autour de nous. N'oubliez pas de prendre vos bouteilles et vos verres en plastique. Merci beaucoup d'avoir suivi cette traduction française qui vous a été délivrée par Ironique. David. Voilà.